Itima, la météo du 13 avec Era Immobilier Martigues. Depuis plus de 15 ans, le spécialiste en transactions immobilières. Faites confiance à une équipe réactive et efficace. Estimation de votre bien offerte. Era Martigues sur les réseaux sociaux et sur era-immobilier-martigues.fr. La chaleur de retour, c'est ce qu'il faut retenir pour ce long week-end de Pentecôte. Pour demain, on aura à peu près le même type de temps qu'aujourd'hui. Des passages nuageux en provenance de la Méditerranée qui vont continuer d'alterner avec les éclaircies. Notez tout de même un léger risque d'averse ou quelques gouttes en milieu d'après-midi à l'ouest du département. Le vent de sud sera modéré. Il soufflera à la mi-journée jusqu'à 40 km/h près des Calanques. Les températures seront en hausse, notamment en Pays d'Aix, avec des minimales comprises entre 10 et 15 degrés, les maximales atteindront sans aucun mal 23 à Marseille. Demain, ce sera la Saint-Éric. Le temps s'annonce encore plus agréable dimanche, malgré un ciel voilé. La chaleur va s'imposer dans l'après-midi sur l'ensemble du territoire. Le tout sous une brise du sud l'après-midi et un mercure qui va continuer son ascension jugé plus tôt. Alors pas tant le matin avec 10 voire 14 degrés sur le pourtour de l'étang de Berre, mais plutôt l'après-midi où vous pourrez compter sur un bon 25 degrés. Sur la côte bleue, dimanche, nous fêterons les Yves. Et si on se projette sur le lundi de Pentecôte, eh bien, sachez que ce sera moins bien avec le retour des nuages et d'éventuelles averses dans le pays d'Aix, comme à la frontière du Vaucluse à la mi-journée. Ça reste à affiner, bien sûr. Le temps devrait rester sec partout ailleurs, toujours rythmé par une brise du sud. Peu d'évolution, en tout cas pour les températures. Il fera jusqu'à 15 degrés au lever du jour dans le golfe de Fos et entre 19 et 22 degrés dans le pays salonnais. Au-delà du férié, honneur aux Bernardins lundi. Très bon week-end prolongé.